On a suivi les consignes du coach à la lettre et voilà, on a pris les 3 points ce soir. Donc, top. C'était une partie sérieuse, vous avez fait preuve d'efficacité dès le début du match, ce qui avait un peu manqué ces derniers temps. Ouais, on a bien bossé à l'entraînement, on savait que contre ces équipes-là, on n'aurait pas 10 000 occasions, donc il fallait être efficace et nos attaquants ont été efficaces. Après, on a marqué sur coup de pied arrêté, donc c'est que du bonus, voilà, c'est top ce soir. Donc t'as inscrit un doublé ce soir? Ouais. Content? Ouais, très content, c'est sûr. Très très content. C'est mes 2 premiers buts de l'année, donc je suis très content. Tu es l'homme du mois de novembre parce que tu avais marqué déjà au mois de novembre sur des coups de pied arrêtés à Bérignac. C'est ça, c'est vrai. Et donc du coup tu es l'homme du mois de novembre à chaque fois. Bah je sais pas si on peut dire ça, Alain Mogès aussi avait marqué pas mal de buts l'année dernière au mois de novembre. Bah j'espère que le prochain match ce sera lui le buteur. Voilà. On a vu une équipe de Montpellier qui avait gagné 5 matchs à l'extérieur. Ce soir, ils n'ont pas montré grand-chose. Est-ce que tu penses que c'est vous qui les avez éteints ou ils n'étaient pas dans leur forme habituelle? Non, je pense qu'ils étaient, dans leur forme habituelle. Après, nous, on a fait un très bon match ce soir. Voilà, tout le monde était en place. Les milieux ont fait le job défensivement, les attaquants aussi. Quand on joue comme ça, voilà, on est très bon. Il faut répéter ce genre de match. Puis les réserves pro vous réussissent bien puisque ça fait donc 7 points pris, 7 buts marqués aussi, 0 encaissé, ça vous réussit bien là, les réserves? Ouais, ça nous réussit bien jusqu'à là. Contre Nantes, match nul, Saint-Etienne, victoire, Montpellier, victoire, bah, il faut que ça continue. Saint-Etienne en plus qui avait été la dernière victoire à Le Bon, donc ça faisait longtemps que vous n'aviez pas gagné ici. C'est ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné chez nous et bah, on avait à cœur de faire un bon match et de ramener la victoire aujourd'hui pour le public. Ouais. Voilà. Puis important parce qu'avec les matchs en retard, derrière ça revenait un peu. Ouais, on a 2 matchs en retard et donc, il fallait qu'on prenne des points. Il fallait qu'on prenne des points, c'était important ce soir.